bénisse sur terre. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a encore une fois confié un message sur l'Éternel Dieu entend les cris de détresse de son peuple. Bien avant d'écouter cet enseignement, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Éternel Dieu des armées, nous venons à toi en ce jour pour écouter cet enseignement sur les cris de détresse que font monter ton peuple depuis la terre jusqu'à toi pour que nous sachions comment nous comporter et comment tu réponds à ces cris de détresse et que par cet enseignement, Seigneur, nous fassions partie de ton peuple, de ceux que tu secours lorsque tu entends qu'ils poussent leur cri de détresse auprès de toi. Éternel notre Dieu, ouvre notre esprit pour que nous comprenions cet enseignement et que nous ayons la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés en Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Amen. Cet enseignement se trouve dans le livre de Exode, au chapitre 3, du verset 7 au verset 10. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Bien-aimé du Seigneur, ainsi qu'il convient de comprendre cet enseignement, beaucoup de gens ont l'impression que quand ils souffrent, Dieu n'entend pas, ou Dieu n'est plus le même, ou la droite du Dieu très haut s'est affaiblie. On a entendu les prouesses que Dieu opérait dans les âges passés. Maintenant, dans ces derniers temps, Dieu n'agit pas. Mais Dieu est toujours le même. Aujourd'hui, hier et éternellement, Dieu demeure le même. Dieu est toujours très fort. Il est le Tout-Puissant. Mais c'est nous, les hommes, qui nous disons faire partie de son peuple. Mais en réalité, nous ne faisons pas partie de son peuple. Mais il importe de savoir que si nous, réellement nous faisons partie de son peuple choisi par rapport à la rédemption et que nous sommes devenus Israël de Dieu comme était l'ancien Israël, eh bien, nous serons en mesure d'être secourus par Dieu à chaque instant de notre vie. Tenez par exemple dans les âges passés. Alors que le peuple d'Israël était captif en Égypte pendant plusieurs années, et là-bas, ils étaient assujettis à des corvées dures, à des travaux durs et sous oppression des Égyptiens qui les maltraitaient, qui les considéraient tels des esclaves. Dieu, à un moment fixé, à un jour J qu'il avait déjà arrêté depuis la création, était descendu pour les délivrer. Et de quelle manière? Il avait choisi un homme auprès de qui il devait se manifester. Et cet homme, c'était Moïse. Alors, Dieu, pour secourir, il n'a pas besoin de plusieurs hommes. Même d'un seul homme, Dieu est capable de secourir tout un ensemble, secourir tout un pays, secourir toute une contrée, un continent. Dieu est capable de le faire. Ou le monde entier, rien que par un seul homme. Alors, on sait que nous venons de lire. Comment est-ce que Dieu s'est manifesté? Dieu dit à Moïse, j'ai vu les souffrances de mon peuple et j'ai entendu les cris
les cris de douleur que lui font pousser ses oppresseurs, ses bourreaux, bien-aimés du Seigneur. Lorsqu'on fait partie de son peuple, l'Éternel entendra tous les cris que nous font pousser nos oppresseurs ou nos bourreaux ou des gens qui nous matraquent ou bien qui nous font des guerres. Pourquoi? Parce qu'il est devenu notre Dieu et il doit nous prendre sous sa protection. Et c'est ainsi que Dieu était descendu. Si vous lirez la suite, Dieu avait étendu sa main sur l'Égypte. Il a envoyé des calamités, il a opéré des prodiges, des miracles. Et toute la terre avait entendu parler de lui, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et pour finir, Israël était sorti victorieux de l'Égypte, avait quitté la maison de servitude et haut la main. Pourquoi? Parce que Dieu était avec Israël et que ce peuple avait obéi à ce que Dieu lui avait demandé, à savoir faire le sacrifice d'agneau et prendre le sang et mettre sur le linteau de leur maison. Bien-aimé du Seigneur, cet enseignement peut vous sembler comme un enseignement historique, mais c'est un enseignement qui nous enseigne beaucoup de choses. Dieu entend les cris de détresse. Et cet enseignement s'adresse aussi beaucoup plus particulièrement aussi à ceux qui font souffrir les gens sur la terre, à ceux qui s'en prennent aux autres, qui tuent les gens, qui font n'importe quoi, et qui pensent qu'ils sont impunis et que Dieu ne punit pas, ou Dieu ne les voit pas, ou ce qu'ils font, Dieu ne peut rien faire, Dieu est fatigué, et qui sont sur la terre pour maltraiter les autres hommes, les tuant, les martyrisant, les violents. Alors, il faut savoir, il y a un jour, un moment où Dieu lui-même va descendre, demander des comptes à ceux qui se comportent comme des oppresseurs sur la terre par rapport aux autres et surtout par rapport à son peuple qu'il a choisi. Bien-aimé du Seigneur, et le peuple d'Israël était sorti de la maison de servitude. Mais vous allez vous rappeler aussi de l'histoire d'Abel et de son frère Caïn. Caïn, par jalousie, bien épris de jalousie, finit par tuer son frère. Alors, il a tué son frère Abel parce qu'il a bien constaté que Dieu aimait Abel. Alors, après avoir tué son frère, il a compris que c'était un bon débarras. Il devait maintenant se la couler douce, donc vivre tranquillement dans sa vie. Et c'est alors que le Seigneur vint et il appela. Il dit, « Caïn, où est ton frère ?» Caïn répondit avec désinvolture en disant, est-ce que moi je connais où est-ce qu'il est? M'as-tu mis gardien de mon frère? Et le Seigneur lui dit, eh ben, même si tu ne veux pas me dire ce que tu as fait, mais sache que la voix du sang de ton frère que tu as tué crie de la terre jusqu'à moi. Donc il faut savoir que sur cette terre, tu peux tuer des gens comme tu veux. Tu peux penser qu'en tuant, c'est infini, tu t'es débarrassé de tes ennemis qui sont en train de t'ombrager, qui sont en train de, je ne sais pas, de t'outrager. Et toi, tu vas les exécuter. Mais tu vas oublier que parmi les gens que tu exécutes, tu risques de mettre la main sur un enfant de Dieu et ça va te coûter cher. Parce que Abel était aimé de Dieu. Alors quand tu touches à celui que Dieu aime, sache que toi-même, tu as déclaré ta mort. Quand tu cherches à t'en prendre au peuple de Dieu et tu le fais souffrir, il faut savoir que toi-même, tu as décidé maintenant que Dieu puisse te liquider. Et des gens doivent savoir cela. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Puisque j'ai entendu la voix du sang de ton frère qui crie de la tête jusqu'à moi, maintenant tu es maudit. Et oui, Dieu a maudit Caïn quand, lorsqu'il a entendu le sang de son fils Abel qui criait de la terre jusqu'à lui et tué par son propre frère. Bien-aimé du Seigneur, voici le moment de faire très très attention. La terre sur laquelle nous marchons, toi et moi, ne nous appartient pas. La terre ne nous appartient pas. L'éternité ne nous appartient pas. L'éternité appartient à Dieu. Nous ne devons pas faire comme si, en tuant les autres, nous allons rester sur la terre éternellement. Il y a des gens qui aiment mener des guerres, qui aiment faire des guerres aux autres, qui comportent des armées entières, juste pour aller faire de véritables razzias dans d'autres pays, dans d'autres villages, dans notre contrée, tuant les femmes,
les martyrisant, tuant les enfants, décapitant les hommes. Eh bien, parmi ces gens-là, si réellement ils sont des enfants de Dieu, sache que tu es déjà maudit. Et étant maudit, non seulement la terre va produire des épines pour toi, et toi aussi, ça te sent vraiment dur, mais Dieu va finir par te rendre aussi ton corps. Souvenez-vous de ces anges qui étaient descendus, même avant même qu'ils arrivent à Sodome et Gomorrhe. Dieu se révèle à Abraham et lui dit, voici, j'ai entendu les cris depuis Sodome et Gomorrhe, et je suis descendu pour aller vérifier si cela est ainsi. Parce qu'il y a des cris qui montent contre Sodome et contre Gomorrhe. Et qui étaient ces cris-là? Ou quels étaient les cris? Ou qui faisait pousser les cris? C'était des cris des victimes tuées par les habitants de Sodome et de Gomorrhe qui étaient des méchants. Dieu leur avait donné un pays et qui était un bon pays, qui était dans la plaine, où ils devaient bien vivre tranquillement. Mais ils s'étaient donné le plaisir de commencer à tuer des gens, de violer les jeunes filles, de violer les vierges, de faire n'importe quoi. Ils pouvaient se présenter dans la parcelle d'une personne, arracher des jeunes filles, les violer, les mutiler. Ils faisaient n'importe quoi. Mais Dieu, un jour, a dit, j'ai entendu des cris qui montent de la terre jusqu'à moi. Et que ces cris-là sont en train d'accuser les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Et vous connaissez l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Dieu était descendu et il était descendu pour pouvoir les exterminer. Et quand les deux anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils ont été accueillis par Lot qu'ils avaient hébergé dans sa maison. Et quand ils étaient dans la maison de Lot, les habitants de Sodome et Gomorrhe, ayant eu vent qu'il y a des visiteurs étrangers qui sont venus chez nous, ils se sont ligués, ils se sont rassemblés, ils sont venus, ils ont ordonné à Lot, sors-nous ces étrangers que nous puissions les tuer. Vous connaissez la suite de l'histoire, Lot les avait cachés, et après, eux-mêmes les anges ont frappé d'aveuglement tous ces habitants, et ils n'ont pas découvert où se trouvait la porte pour faire irruption dans la maison. Et après, ils ont fini par rentrer chez eux. Lot était sorti de Sodome et Gomorrhe. Et les anges lui ont dit, hâte-toi de sortir, prends tes enfants, prends tes gendres, prends tes fils, sors de cet endroit, parce que les cris contre ces lieux est grand devant le Seigneur. Bien-aimé le Seigneur. Les gens aujourd'hui se plaisent à vivre dans les méchancetés, se plaisent à déclencher des guerres, à tuer des gens, à martyriser des familles entières, à décapiter des hommes, à ouvrir les ventres des femmes, à faire n'importe quoi, comme si Dieu n'existe pas. Sachez que Dieu existe. Les cris contre vous est grand devant le Seigneur. Et sachez que l'Éternel Dieu des armées, qui m'envoie porter ce message, me dit de vous dire que bientôt il va s'occuper de tous les bourreaux des enfants de Dieu, les bourreaux qui martyrisent son peuple, les bourreaux qui font pleurer ses enfants sur cette terre, non seulement au Congo, mais partout ailleurs dans le monde. Sachez que l'Éternel Dieu est entré dans son règne pour écraser les diables et ses adeptes et pour rendre compte. Et pour que ceux qui sont en train de persécuter son peuple rendent des comptes sur cette terre. Le Seigneur Dieu est maintenant entré dans son règne pour demander des comptes à tous ceux qui se comportent sur cette terre comme des meurtriers, des bourreaux, des adeptes de Satan pour perdurer des malheurs sur les autres, opprimer les gens et se sentant impunis, se sentant libre comme si la terre leur appartenait. Non. Maintenant, dans les années qui viennent ici, le Seigneur va vous demander des comptes. Et le jugement sera atroce. Et le Seigneur sera sans pitié. Il sera impitoyable
à l'endroit de ceux qui n'ont pas exercé la miséricorde. Bien-aimés, faites très attention. Dieu existe bel et bien. Et celui qui envoie ces messages puissants pour vous prévenir que vos crimes que vous avez perpétrés ici dans le monde, sur la terre, et le sang de ces victimes, leurs cris sont en train de monter devant le Seigneur et le Seigneur ne vous laissera pas impuni. En bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez vraiment être épargné de la colère de Dieu, faites partie de son peuple, alors vous serez épargné. Merci beaucoup et à la fois prochaine. Solo kabako konza isusute.